Iyisiya tumubona idufite akamaro kanini nayikene bagenzi ngo toyigirira neza mu kuyibungabungana n'ibyayo ikibwirwa n'icyumva kandi cyerekwa n'ikibona umuntu udakurikiza ibyo byose ekura umwonyi w'umwonyi mugabo icyo nta maso yamara gutukura uzongera uti si yo menya iyisiya cy'umubona idufitiye akamaro kanini nayikene bagenzi ko toyigirira neza mu kuyibungabungana n'ibyayo. Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement et celle de la lutte contre la désertification et la sécheresse qui ont été célébrées dans le monde respectivement en date du 5 au 17 juin, notre pays se joindra à d'autres nations ce jeudi le 16 juillet 2020 pour célébrer les dites journées en province Muyinga, commune Buhinyuza. C'est ainsi que pour se rendre compte de l'état des liens de l'environnement U égale du thème national qui est protégeant la biodiversité source du bien-être. Notre pays a réservé presque une semaine dédiée à ces journées du 14 au 16 juillet 2020. Ainsi, le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, Dr Dogui Derulema, en compagnie de la coordinatrice du projet PRRPB, Madame Odette Kaitesi, et les recadres du Minéagri ont effectué une descente sur terrain pour se rendre compte de l'état des lieux, des sites exploités illégalement et les impacts situés à Karama et Benga dans la province de Bujumbura, les innovations locales pour remplacer les sachets utilisés dans les pépinières à Bugarama préparées par la coopérative de Kingir Kibira 2 en province de Muramvya, ainsi que les pépinières des plants fruitiers préparés par la coopérative du Shirukubute du Kingir du Kikije, lesquels plants seront distribués à la population afin d'éviter les actions néfastes de destruction. Par rapport à l'exploitation des carrières et le moellon dans la province de Bujumbura, acte qui affecte la population, ainsi, même si certains possèdent les certificats de conformité environnementale délivrés par le ministère, une sensibilisation de toutes les parties prenantes s'avère nécessaire afin de voir ensemble ce qui convient pour mener fin à cette exploitation anarchique. Le ministre encourage l'action de réhabilitation déjà entamée et compte l'étendre dans tout le pays. Signalons que le ministre Dr Dogui Derulema encourage toutes ces actions visant la protection de l'environnement et du fait que ce volet est nouveau dans le ministère. Un effort particulier doit être mené pour que les résultats soient palpables comme dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Et nous sommes effectivement dans la semaine dédiée à la Journée mondiale de l'environnement et de la lutte contre la désertification et la sécheresse. Le mot d'ordre que je dirais général, c'est la biodiversité. Le thème général, c'est la biodiversité, ainsi que protéger les sols et renforcer l'avenir meilleur de nos générations futures. C'est comme ça que le thème stipule. Et nous avons préféré arriver à la date effective de cérémonie pour célébrer cette journée mondiale. D'abord, à nous focaliser sur là où nous sommes, quel est l'état de lieu de ce que nous sommes en train de faire qui affecte la population dans le sens de l'environnement. Vous savez que le ministère délivre des autorisations ou des certificats de conformité environnementale pour certains sites qui sont exploités pour renforcer les revenus des ménages, notamment l'exploitation des moireaux, l'exploitation des graviers, l'exploitation de l'argile, etc.
mais il est stipulé que après l'exploitation de ce site, on doit le réhabiliter. Alors nous avons voulu prendre quelques sites comme témoins pour nous rendre compte de la réalité sur le terrain. Et d'abord, nous sommes rendus dans certains sites de Bujumbura et nous avons remarqué qu'ils sont exploités anarchiquement, sans autorisation. Et ça nous inquiète, d'autant plus que les dégâts liés au changement climatique s'observent souvent au niveau de la ville de Bujumbura. Quand il y a des inondations, il y a des pertes humaines et des pertes des biens aussi. Et cela nous montre qu'il faut prendre des mesures pour arrêter ces occupations anarchiques, parce que ça aura, vous savez ce qui se passe avec les périodes pluvieuses, avec les inondations. Et nous devrons prendre des mesures qui s'imposent pour protéger la population de Bujumbura. Mais aussi, on remarque que c'est pour des intérêts d'un petit groupe ou des individus qui ne privilégient pas les intérêts généraux de la population. Et nous avons aussi observé un bon exemple où le ministère a pris l'initiative de réhabiliter un site qui était occupé anarchiquement par la population. Nous encourageons les cadres disjournalièrement et les activités de l'environnement, notamment au BPE, pour qu'ils prennent ce bon exemple pour étendre ailleurs. Mais nous avons aussi observé qu'il y a certains sites qui ont été octroyés officiellement par le ministère, mais pour des raisons ou d'une autre, avec les effets du changement climatique, peuvent aussi nuire à la population. Et nous allons nous asseoir avec la population, l'administration, pour une sensibilisation beaucoup plus large sur les méfaits de l'environnement, les effets néfastes de l'environnement. Et vous avez remarqué qu'à côté, il y a d'autres sites qui sont exploités, mais qui risquent de détruire les efforts du gouvernement en matière des écoles que nous avons construites et d'autres. Mais il y a toujours ce que nous remarquons dans les documents, surtout des projets, des partenaires, mais aussi au niveau de notre ministère, qui disent que la population riveraine doit profiter de la présence des bienfaits des forêts, des aires protégées, sans toutefois les détruire. Et c'est là où on trouve qu'il est toujours formulé des projets pour les activités génératrices de revenus. Je voudrais que ce thème, activités génératrices de revenus, ne soit pas seulement dans les paroles, ne soit pas seulement dans les théories. Et nous avons remarqué qu'il y a des pépinières qui sont en train d'être élaborées pour des pépinières qui consistent à faire disponibiliser des plants fruitiers comme le maracuja, comme les fruits de passion. Et nous voudrions que ces pépinières soient multipliées et que ces fruits soient distribués au niveau de la population. Comme ça, la population riveraine va trouver les forêts ou les aires protégées comme un patrimoine qui procure aussi des revenus à la ménage, sans toutefois entrer dans la forêt pour aller les détruire. Ainsi, les plans fruitiers distribués dans le cadre du programme Ewe Burundura Mbaye, le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage se dit bien satisfait des résultats atteints. Et nous sommes fiers que ces plans fruitiers étaient inclus dans le programme général et beaucoup plus large Ewe Burundi Urambaye, et qui est en train de donner de bons résultats. Et même au niveau international, on est en train de nous admirer avec ce genre de programmes qui sont concrets, visibles et réels. Naike ne wagenzi, goto ijiri
kugira neza mukuyibungabungana nibyayo